en francés directamente para ella? ¿Está bien o mejor en español? Mejor en español para que todo el mundo lo entienda, porque ya tienes ahí una. Vale, no hay problema. Que ella comprende en español. Claro, perfecto. Quiero decir que estoy más que encantada de conocerte y no conocía el libro, así que estoy más que feliz porque voy a empezar a leer más. Y ha hablado de muchos puntos, pero el que más me ha tocado es el de quitarnos la blancura, ¿no? Que no había pensado en ello realmente. Yo nací en Nigeria, pero me crié aquí. Entonces, estos días, bueno, en este año he estado como leyendo muchísimo sobre el colonialismo y muchos autores como el profesor Lumumba de Kenia, y he aprendido muchísimo también sobre los movimientos que han habido. Y es verdad, no es una pregunta, pero es básicamente decir que es difícil, es verdad, y que decía ella de que tiene que ser una acción colectiva. Que cuando yo pienso por qué estamos aquí, por qué las cosas no cambian, por qué parece que el mundo está yendo hacia ella a peor, pero lo que ella ha dicho, ¿no? Que también yo a veces pienso, no, solo nosotros como colectivo negro o colectivo más, que ha sufrido más, ¿no? Pero ella ha mencionado algo que me ha sorprendido, que ha sido la parte de buscar alianzas con dos grupos, como ella ha dicho, los blancos y los judíos. Y la parte de los judíos me ha sorprendido porque yo lo había pensado así, pero también ella ha respondido, ¿no?, a mi pregunta mentalmente, porque dijo que es un estado, por ejemplo, Israel, que ahora mismo se ha vuelto más blanca también, aunque han tenido ese pasado histórico de genocidio y de opresión, también actualmente, no es que hayan cambiado, pero la historia como ha cambiado también. Entonces, ¿cómo? No sé si es una pregunta así rápida, pero ¿cómo podemos realmente buscar alianza con ellos cuando, ella dijo al principio, los blancos quizás no les interesa hacer alianza con nosotros, y los judíos tampoco, no sé si se les interesa, pero no lo van a ver como a primera vista? ¿Cómo se puede llegar a, no a convencer, porque no se convencer a nadie, no, cada uno tiene que creérselo, ¿no? Pero ¿cómo llegas a hacer esa unión y que la gente esté organizada de manera ordenada? Porque eso es lo que de verdad nos falta. No sé si he preguntado muchas cosas, pero ya está, gracias. Alors, j'ai dit beaucoup de choses, mais j'ai fait être belle. Alors, la question, c'était vraiment comment on pourrait, plus ou moins, parce qu'on a parlé de blanches, de faire communion avec eux et les juifs. Mais chez les juifs, comment on pourrait vraiment trouver le lien entre eux? Parce que je pense que vraiment, ça a changé un peu, parce qu'avant, c'était vraiment la génocide et là, ils ont été, on pourrait les frapper. Mais maintenant, l'État d'Israël qu'on a maintenant, c'est pas la même chose qui a été avant. Comment on pourrait vraiment trouver l'union avec eux et vraiment pouvoir avoir une lutte collective avec eux? C'est ma question plus ou moins. Merci beaucoup. La réponse, elle est très simple. On ne peut pas. D'abord, je crois que la catégorie juif est une catégorie en tant que telle, comme blanc ou indigène, parce qu'elles sont des produits de l'histoire nationale, mais elles sont aussi des produits de l'État. C'est l'État qui assigne. La categoría blancos o judíos es un producto del Estado, es el Estado que asigna. Voilà. Ça ne signifie pas que les individus qui sont à l'intérieur ont tous la même idéologie politique. Donc il veut dire que tous les individus qui sont à l'intérieur ont tous la même idéologie politique. Chez les blancs, il y a des gens qui sont à l'extrême droite, il y a des gens qui sont à l'extrême gauche, il y a des gens qui sont des sociodémocrates, et donc il y a des contradictions entre eux. Ah, y en los blancos, por ejemplo, hay extrema izquierda, extrema derecha, por eso hay contradicciones entre ellos. Les juifs, c'est pareil, c'est un groupe comme un autre. Il y en a qui sont sionistes, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui sont d'extrême gauche, il y en a qui sont d'extrême droite, il y en a qui sont même qui sont d'extrême gauche et sionistes en même temps, enfin bref, toutes les possibilités. Et les judéos sont les mêmes, toutes les possibilités, sionistes, non sionistes, extrême izquierda, derecha, sionistes. Et dans mon livre, je dis à un moment donné, pour les blancs, mais ça vaut pour les juifs et ça vaut pour nous, en fait, ça vaut pour tout le monde. L'État nous met dans des catégories, mais nous sommes libres. Nous avons une liberté. Nous n'avons pas choisi, les juifs n'ont pas choisi d'être dans la catégorie juive, telle que l'État voudrait les assigner. Ils n'ont pas choisi, ils sont objectivement dans en France, en tout cas, je parle de la France, hein. Ils ne sont pas au bas de l'échelle sociale, ils ne sont pas non plus en haut, mais ils ont la liberté en tant qu'individus de choisir, de faire des choix politiques. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement la possibilité de considérer que des groupes sont mouvants, qui peuvent faire des choix.
El Estado nos asigna, el Estado mete en categorías, pero nosotros tenemos la libertad de hacer elecciones políticas, o sea, somos libres. En France, on travaille avec des organisations juives qui sont d'extrême gauche, qui sont antisionistes, et ça se passe très bien. En Francia trabajamos con organizaciones judías que son de extrema izquierda y antisionistas. C'est pour ça que la solution est toujours positive, elle est toujours politique. La posición. C'est pour ça que la solution est toujours politique. La solución es siempre política. Respondí a tu pregunta. La próxima persona, por favor. Vaya levantando la mano así, porque así David. ¿Alguien más quiere para que después viene el micro? ¿Está? Vale. Hola, buenas. Mi pregunta era sobre. ¿Tú, Julia, detectaste dos tipos de aliados, los blancos y los judíos? Y yo creo que hay más aliados, y en la misma figura de Jean Genet está. Ahí está incluida también otra categoría que son los disidentes sexuales. Que quizás Jean Genet era como no era la norma, no era un blanco que se integraba en la norma, también eso lo acercó a ser decolonial. Y entonces quizás tenemos que abrir el abanico de dos posibilidades de aliados a muchos más. Y más allá de también, quería decir que es también buscar los aliados, pero también tenemos que organizarnos los sujetos colonizados primero, antes de entrar a la discusión de los aliados. ¿Puede que yo haga la...? Oui, s'il vous plaît. La question c'était sur la... Il y a deux... Vous avez détecté deux types d'alliés, les blancs et les juifs. Et sûrement il y en a d'autres catégories. Et il y en a une qui est présente même dans la personne de Jean Genet, qui est la dissidence sexuelle, qui peut-être ça lui a aidé à se rapprocher de la lutte décoloniale, de fait d'être un dissident sexuel. Et donc peut-être il y a une troisième catégorie qui s'ouvre là. Et ma deuxième question c'était que parallèlement à chercher des alliés, il faudrait peut-être aussi décoloniser, on devrait chercher à se regrouper nous-mêmes d'abord avant d'aller chercher des alliés. Alors se retrouver nous-mêmes, j'ai commencé par dire ça. J'ai commencé par dire qu'il fallait nous aimer nous-mêmes et donc croire au fait qu'on puisse proposer des projets politiques et s'organiser entre nous. Donc ça c'est l'acte 1. Lo primero era que dije ya es que efectivamente tenemos que amarnos nosotros mismos, en la línea de lo que decías de encontrarnos con nosotros mismos. Ensuite les catégories que j'ai choisies ne sont que des catégories raciales. Las categorías que he escogido son solo categorías raciales. Il y a évidemment d'autres catégories qui existent dans la société, mais on aurait pu dire aussi les femmes. Hay otras categorías que existen en la sociedad, pero también efectivamente podríamos decir las mujeres. Mais ce n'est pas celles qui m'ont intéressé du point de vue de la lutte antiraciste. No es esto lo que me ha interesado desde el punto de vista de la lucha antirracista. Alors, vous avez raison de dire que Genet était un dissident sexuel, mais on peut dire la même chose de Baldwin. Genet, effectivement, era un dissident sexuel, pero también Baldwin. Mais en réalité, ça ne suffit pas d'être un dissident sexuel. Non, no es suficiente de ser un disidente sexual. Parce que, vous le savez sûrement comme moi, la sexualité hégémonique aujourd'hui, la forme de l'homonationalisme. La sexualidad hegemónica hoy por hoy tiene la forma del homonacionalisme. Dont il y a aujourd'hui, et de plus en plus heureusement, dans les minorités sexuelles, des minorités sexuelles décoloniales. Afortunadamente, hoy en día hay dentro de las minorías sexuales decoloniales. Mais pour l'instant, ça n'est qu'une minorité. Pero por el momento solo es una minoría. Donc la sexualité en tant que telle, ça ne veut pas dire grand-chose. Por lo tanto, la sexualidad, tanto sexualidad, tampoco quiere decir gran cosa. Surtout qu'elle est beaucoup utilisée contre les indigènes en général et contre les pays du Sud. Surtout que está muy utilizada contra los indígenas en general y contra los países del Sur. Je veux dire, les identités sexuelles LGBT par exemple, elles sont utilisées aussi par les États comme un trait de civilisation, c'est ce que je veux dire.
las identidades LGTB son utilizadas por el Estado para como un indicio, como un